Quoi? Salut tout le monde, c'est iPlay4U, on attaque toute nouvelle vidéo chasseur de trésors. Cette fois-ci, je suis toujours avec Didier. On va vous emmener un peu partout, champs, prairies, forêts, hôpital. On a remarqué avec Didier que à chaque fin de tournage, on laisse pas mal de parcelles derrière nous parce que on n'a pas le temps, il faut qu'on rentre. C'est surtout toi, t'es toujours pressé. C'est vrai. Donc on va vous emmener dans toute cette petite parcelle qu'on a laissée derrière nous. Vous allez voir, on va changer pas mal de cadre et on va essayer de trouver des choses assez intéressantes. On vous emmène avec nous, c'est parti. Tac. Oh, c'est ça. Ah oui. Ça c'est joli ça. Tu filmes? Ça c'est super. Ah, ah oui. Vas-y. Va montrer l'objet à la Didier. Ouais. L'objet à la Didier. Ouais, on a une vieille, un vieil anneau qui s'est désolidarisé certainement d'un. Ici, ça c'est dans la partie du bois. Certainement, ça doit s'enfoncer dans le bois. Voilà. Elle est figée maintenant, mais ah, c'est super. Allez Didier. Je sais pas si vous le voyez derrière, mais on a des chevaux. Et ils sont un peu inquiets, j'ai l'impression. Voilà, vous l'avez vu, on a juste derrière moi, vous le voyez là, le mâle dominant qui commençait à nous charger un peu de manière à dire... Bon, vous deux, les loustiques, surtout lui, je vous fais pas trop confiance. Donc il nous surveille, il nous charge un peu. Donc on se méfie, donc là ça y est, on s'est éloigné, il part aussi. On a un petit deal entre lui et nous. Ouais. Ça se passe bien. C'est dommage qu'on ait pas fumé le deal d'ailleurs. Ouais, c'est vrai. C'était des tractations à la Koh-Lanta. Bon, bref, on continue nous, Didier. On va monter un peu pour voir un peu ce que... Alors, chose, on est extrêmement perturbé par... Ouais, cette clôture électrique. La clôture électrique qui est ici. Ah, tu non, mais avec le gant, ça va. La clôture électrique est ici. Ouais. Ah bah, je me méfie, clôture électrique juste là. Voilà, qui perturbe nos appareils. Ouais. Et on a l'impression qu'on a des super sons. Ouais, on a trouvé des trucs, des monnaies en or depuis tout à l'heure, mais non, c'est juste la monnaie électrique. C'est juste la clôture électrique. Oh, regarde. Oh. Tu vois? Alors ça, c'est un truc que tu mets dans les. Non, ça, c'est... pour faire tenir les volets, enfin les rideaux. Non, oui, non, oui, non, en réalité, c'est, ça doit être une pièce agricole. Hein. Malheureusement, j'ai plus le nom en tête. Un truc de pièce agricole. Oui, oui, absolument. C'est, Ok. De toute façon, dans les commentaires, ils te le diront. Allez, on vous retrouve. On a changé un peu d'environnement. On va se balader un peu dans cette petite forêt avec le propriétaire juste derrière qui nous autorise à voir ce qu'on peut trouver par ici. On y va. Let's go. Let's go. Let's go. Avec un peu de chance, Didier va nous faire une belle cascade. Ou pas. Alors le plus drôle, c'est de faire une cascade près d'une fontaine d'eau. Une cascade près d'une fontaine d'eau. Il y avait un jeu de mots. Bah oui, réfléchis. Ah, voilà. Ouh. Moi, je l'ai eu, mais bien plus tard. Non, mais c'est parce que là, on sort de l'apéro. Oh, le logiciel. Oh, le logiciel à remettre. Ah oui, non, mais là, c'est là. Tu as un point, c'est combien toi là? Ah oui! Ça va être compliqué là, effectivement. C'est ce qu'il y a dessous quand même. Qu'est-ce qu'il y a dessous? Il y a, 8000 litres d'eau. Enfin, c'est une. Ah ouais? Oui. Comment on appelle ça? Une. Un bassin? C'est... Non, on savait un stocker. Réservoir. Le... Oui, voilà, c'est un réservoir en béton. Donc, on va éviter de creuser? Oui, c'est triste. C'est ton bouton de... Oh, ça va? Bon, voilà. Je vous ai fait une belle cascade, rien que pour vous. C'était pas voulu, mais ça va, je me suis pas fait mal. En plus, qu'est-ce que tu me disais tout à l'heure? Je sais plus. Ah oui, je disais, effectivement, une belle cascade. Ce serait bien que Didier nous fasse une belle cascade. Je me suis bien vautré.
un beau trou ici, je suis bien tombé dedans. Moi, je regrette que le caméraman n'ait pas eu le réflexe de garder la caméra sur toi. Elle est venue me sauver, elle. Parce qu'on aurait vu, ça a été coupé, mais on aurait vu que tu aurais pu pleurer. J'ai versé ma petite larme. T'as pleuré pendant 10 minutes. J'ai perdu ma dignité. Je veux pas sortir, laissez-moi. Moi, je te propose de descendre un peu plus. Ouais, bah, je suis déjà descendu. Alors, non, alors moi, je te propose de descendre comme ça et pas comme ça. Parce que toi, t'es descendu comme ça. Ah, fais gaffe, ça glisse. Oui, bien sûr. Alors, tu l'as sorti ou pas? Non, c'est pas sorti. C'est pas là. Sorti. Attends. Alors, il y a du fer. Je sens, on entend le fer un peu, mais. Ouais. T'es toujours à combien là? Alors, ça fut plus, mais à cause du fer. J'ai 83, 86. Allez, j'y retourne. Attends, on n'est pas un truc qui part. Oh, c'est là. Ah, je l'ai. Où ça? Regarde. Ah, oui. Waouh. C'est une hache. Jolie. Il y a encore le manche en bois. Ouais, c'est fou, c'est une hache qui a pété. C'est une hache qui a pété, il y a encore le manche en bois qui est clipsé dans le truc. Et bim, bim. Voilà, est-ce qu'on a trouvé. Une hache. Ouais, marron. Sympa. J'ai plus rien. Hop. Je vais tomber tout à l'heure encore. Le truc c'est que regarde, c'est rempli de racines, je peux rien. Ok. Ça fait tomber un bouchon, non? Il faudrait ton propre printer. Qu'est-ce qui a fait tomber? Non, c'est un bout de caillou. Non, ça c'est quoi ça? Ah oui. Non mais je crois rêver. Ça sort d'où ça? C'est quoi? Bah c'est pas moi qui ai un bout de bouchon. Ça vient de tomber là. C'était dans ta capuche. Caca, ouais, tu sais, quand Didier l'a acheté tout à l'heure et que ça arrivait sur mon pied, je l'ai mis dans ta capuche après. C'est toi? C'est ça. Vous mettez des bouts de bouchon dans les capuches. Et vous croyez qu'on a que ça à faire? On passe pour quoi devant les gens, hein? On est des professionnels, je vous signale. C'est vrai qu'il avait vu qu'il avait enlevé, hein, quoi. Et oui, la stagiaire, au lieu de te filmer un peu, là. Qu'est-ce que c'est que cette équipe, là? Fait pareil, elle fait regarde, elle arrête pas de trembler. On a une image qui est dégueulasse maintenant. C'est quoi cet épisode, les gars? Mais on est où, là? Hein? Non, mais j'ai trouvé ça super. Non, mais je t'ai vu. Et il sonne à combien le bouchon, alors? Ah, c'est bon. Fais voir, passe le détecteur pour voir. Ah ouais, même pas. Non mais je te l'ai. Putain de racine quoi, c'est vrai. Et une cartouche à blanc. Elle est bizarre cette cartouche. C'est une cartouche à blanc. Comment ça une cartouche à blanc? Une cartouche à blanc. C'est des fausses? Ouais. Pourquoi des cartouches à blanc? Mais bonne question, je sais pas. C'est quoi? Cartouche à blanc. Alors ça, ça c'est pas mal ça. On tirait ça quand j'étais militaire, c'était pour s'entraîner quoi. Oui, oui. Pour prendre la mesure de l'arme par exemple. Ah bah tiens. Là tout de suite. Tout de suite. Ah oui, une balle à blanc. Voilà. Ah, oui. On en a deux. Deux balles à blanc. Ouais. Les mêmes. Je sais pas quoi te dire. Ça peut être intéressant dans les commentaires si vous savez pourquoi des balles à blanc sont comme ça dans une forêt perdue. Mais on peut demander au propriétaire, hein, peut-être que lui aura la réponse. Quel est l'intérêt? Je sais pas. Allez-y, on les lit tous. Allez, c'est le moment de vous remercier. Je vais remercier 9 d'entre vous qui m'ont permis, en achetant ces petites graines pour 5€ dans le descriptif de cette vidéo, de me payer mes billets de train pour aller sur ce tournage. Vous êtes géniaux. Je vous remercie. Il y a Maëri, Arcade233, Michael Marie, Guillaume Toulouse27. Nous avons Adrien Drich, Jason Torignac, Laurent Pedro, Flavien et Laurine d'Archeville qui est tout le temps là. Ça fait des mois qu'elle finance. Tu es la 9e. Je te mets ici. Les 8 autres sont juste là. Si vous souhaitez à votre tour m'aider, n'hésitez pas, ça se passe dans le descriptif de cette vidéo. Je vous embrasse et nous, on continue. Hop là! Ah oui! Ah, ça creuse! Là, on est bien! Là. Ah si! Putain, mais j'en ai marre, je me fais que des places. C'est comme ça, hein. Il y a rien du tout, hein. Oh! Non. Oh, oh. Une pièce. Ah. Oui. Oh, c'est génial. Une pièce. Oh, content pour toi. Tiens, inspecteur pièce. Attends, obligé, faut taper là. Je me plais la gueule. Faut que j'arrive. Voilà. Tiens. Oh, une bonne pièce. Excellent. Bon, elle est complètement savonnée, on voit rien du tout. Mais c'est une pièce.
Hop là. Pendant que Didier enlève son déchet, je m'affaire à trouver des monnaies. Et à les perdre. Pas du tout. Ça ira, merci. Je me rapproche. C'est par là. C'est dans ma main. Oui! Oui! Je l'ai! Oui! Appelez combien de. Hein? Deuxième monnaie. Deuxième monnaie, les enfants. Tiens, expert monnaie. Elle a fait. Pouing. Ah oui. Elle a pris cher quand même. Elle a pris un petit coup de pelle, en effet. Je m'excuse, mademoiselle la pièce. C'était pour faire connaissance. Brutasse. Mais j'ai pas attaqué de la bonne façon. Non, jamais. Maintenant, faut que tu arrives à la faire parler. Non, pas comme ça, là. Je pensais que ça creuserait bien mieux. Alors, c'est sorti. Ah ah, suspense. Oh, je pensais que c'était une cartouche au début, mais pas du tout. Non, en fait, c'est juste. C'est juste un truc. Ça doit se dévisser, ça, voilà. Un truc pour gonfler les pneus, j'ai l'impression. Hop là. Alors, qu'est-ce que je vais pouvoir trouver? Alors, moi j'ai trouvé. Qu'est-ce que t'as trouvé de beau? Une capsule. Une capsule? Ouais. Bien joué. Franchement, je suis jaloux. Il faut que je trouve absolument mieux. Des vieilles capsules de vin. Ça va être dur de faire mieux. Voilà. Et moi j'ai trouvé. Le concours de NAS. Un bout de tige en métal dégueulasse. Blague à part, blague à part. Ouais. On regarde toutes vos vidéos, on regarde Couple Deus, Spartacus, Détection Sud, tout le monde, Chris Detec, on les regarde tous. Je ne sais pas comment on fait pour être aussi nul en termes de trouvailles, c'est une véritable catastrophe, je ne sais pas comment ils font eux. Ils te trouvent des trucs de malade, quoi. Et on les salue, parce que. On vous salue, on regarde et on admire. On est admiratif parce que. Je vous assure que nous, on passe mais des non, journées. Non, ben, non, je sais déjà ce qu'on va nous dire. On va nous dire que si on regardait un petit peu où on allait avant, oui. Peut-être qu'on saurait. Et nous on va. Alors on va, on va monter un service de dépollution. On est. Oui, c'est peut-être ça. Dépollution for you. Et j'ai même pas envie de faire de proposer quelque chose. Quoi? On va faire un tour de France. Oui. On va contacter tous les détectoristes. On va aller chez eux. On va aller chez eux. On va piquer vos trouvailles. Non. Juste pour dépolluer. Ah oui, on vous laisse vos trouvailles. Voilà. On ramène juste les déchets. Et on vous ramène toutes les herbes. Ah la vache! Ah la vache! Tentative d'assassinat par eau! Oh la vache! Non, non, Didier, t'es pas obligé de continuer! Arrête! Ah, c'est bon, t'as gagné! Attends! Tu m'as fait tourner dans la flotte! Non! Arrête! Ah la vache! Allez, c'est le moment de la conclusion de cet épisode. Conclusion rapide, on a profité pour redonner des objets à l'agriculteur. Donc on n'aura pas tout forcément de présent ici. On a comme d'habitude trouvé énormément de pollution, de déchets. On en profite pour rappeler, faites attention quand vous vous baladez, quand vous promenez, s'il vous plaît, à respecter la nature. On a trouvé des piles, des batteries, c'est absolument dangereux, inacceptable et dangereux. Bon, sinon on a trouvé cette hache aussi, cette petite hachette qui est cassée. Hein. On voit encore le manche ici. Donc le mec s'est dit, voilà, je l'ai pété, je suis dégoûté, je la laisse là. Et on n'est pas encore capable de dater cette petite hache, mais ça me semble assez moderne. J'ai l'impression. En principe, il gardait les anciens, ça se refaisait. On enlevait le. T'enlevais le manche. Ouais. Et tu gardais on ça pour en un mettre manche. Un nouveau. Ouais. Mais là, ils se sont pas embêtés. Ouais, c'est bizarre. Hein. Ouais, c'est bizarre. Moi, ce qui me paraît encore plus bizarre, c'est ça. Parce que être franc avec toi, les balles à blanc, je sais que ça existe, tout le monde le sait, c'est pas un souci. Mais je pensais que c'était vraiment, tu sais, pour les petits calibres où on s'entraînait. Je savais pas qu'il y avait des balles à blanc pour les gros fusils. Quoi. Ah, si, si. Quel est l'intérêt? Parce que, je veux dire, quand t'es chasseur, bah, c'est que t'as ton permis de chasse et que du coup, bah, tu sais tirer. Je veux dire, t'as appris, quoi. Quel est l'intérêt d'avoir une balle à blanc pour un chasseur? Là, je sais pas. C'est dingue, quoi.
Il faudrait qu'on se renseigne un peu plus. Je ne sais pas du tout. Moi, je pense qu'elle peut être intéressante parce qu'il y a des chasseurs qui nous regardent. Ouais. Donc, on le sait. Si vous pouvez m'expliquer à moi pourquoi il y a des balles à blanc sur des gros calibres, quel est l'intérêt? Puisque quand vous avez un gros calibre, c'est que vous avez un permis, donc vous savez tirer. Je suis preneur, voilà, vraiment de cette explication. Mmh. Et ça doit être un truc évident. Et puis évidemment, pour finir, on a ces deux monnaies qui sont finalement de Napoléon. Voilà, il n'y a pas de... Ah, j'ai été... Oui, parce qu'en fait, c'était le... Ouais, l'effigie, tu pensais voilà, que c'était un Louis, quelque chose comme ça? Et oui, je voyais à peine le profil. Ouais. Et puis. Et finalement, on a gratté, et puis en fait, on s'est aperçu que c'était deux Napoléons. 1875 et 1845. Ouais, c'est ça. Voilà, deux Napoléons qui viendront se rajouter à notre collection. Formidable collection. Allez, on arrête là, évidemment, on se retrouve tous les mercredis à midi pour la suite de cette formidable aventure. Merci à tous pour votre soutien, à très bientôt, bye bye.